En vrai, il descend juste plus un tout petit peu là que de l'autre côté. Ouais, ça, c'est les pecs. Parce que j'ai plus le pec gauche que le pec droit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil de la rédac. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé sur le média Bouscapé durant le mois de janvier 2021. C'est avec une casquette que je fais cette émission aujourd'hui, car je n'ai pas pu avoir accès à mon coiffeur, comme vous le savez. Force à tous les coiffeurs, force à tout le monde. C'est parti. Audience, au mois de janvier 2021, on a réalisé plus de 3,5 millions de visiteurs sur Bouscapé, en moyenne 116 000 visiteurs par jour. C'est notre record. Donc bravo à l'équipe et bravo à toutes les personnes qui ont contribué à ça. Sur YouTube, on enregistre plus de 16 millions de vues avec 18 vidéos publiées. Avec 20 000 nouveaux abonnés, on cumule aujourd'hui plus de 1,7 million de fidèles sur la chaîne Bouscapé. Le contenu du mois, c'est l'émission Soyons Foot. Comme vous le savez, on a lancé une émission axée sur le foot depuis le mois de septembre. Donc au niveau des chiffres et des audiences, c'était un peu mitigé, on va pas se le cacher. Du coup, on a décidé de rebrander l'émission pour qu'elle soit moins axée sur l'actualité, mais plus sur un côté un peu fun, plus dans l'ADN de Bouscapé. Aujourd'hui, Soyons Foot devient une émission bimensuelle en trois parties avec une interview concept, un quiz et un défi. Extrait. Je mange un petit bout, hein. Mais mange et t'avales, on a dit, l'avale. La vidéo cumule plus de 500 000 vues sur YouTube et Facebook. C'est de bon augure pour la suite. Restez branchés. Un dimanche sur deux, Soyons Foot, c'est sur Bouscapé. Le talent du mois, c'est Soufiane, c'est notre social media manager et je vais le laisser se présenter lui-même. Je m'appelle Soufiane, j'ai 26 ans, je suis social media manager chez Bouscapé depuis le mois de septembre et auparavant, je suis passé par Minute Buzz, Move et Beansport. Au quotidien, je dois animer toutes les communautés sur les réseaux sociaux donc de Bouscapé, donc sur Facebook, Twitter, Insta et YouTube. Je m'occupe de faire de la veille, les stats sur les réseaux sociaux et également, on participe aussi un peu à la stratégie qu'on va adopter sur les réseaux sociaux. Le problème du mois est survenu sur le jeu concours Snipes. On a organisé un concours avec la marque allemande. Le gagnant devait recevoir des sables ainsi que du matériel audio. Visiblement, il y a eu erreur sur les tailles. Il n'a pas reçu tout le matériel qu'il devait recevoir. Donc, il s'en est plaint sur les réseaux sociaux. Pour info sur les jeux concours de ce type, en général, c'est la marque qui s'occupe d'envoyer les lots. Un problème qui a depuis été réglé. Tout est rentré dans l'ordre. Désolé pour ce désagrément. La question du mois, c'est à quoi ressemblent vos locaux? Comme vous le savez tous, nous avons déménagé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Bienvenue dans les nouveaux locaux Bouscapé. On va faire une petite visite guidée. Donc ici, nous avons le bureau des Réals. Donc c'est ici que tout se passe. Ici, nous avons l'open space. Là, c'est le bureau administratif avec Aurélie. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est en retard, elle n'est pas là. Ici, on a notre fantastique cuisine. On n'a pas encore de table, mais c'est en cours. Donc ici, c'est mon bureau. Là, c'est le bureau des commerciaux. C'est eux qui font rentrer le fric dans la boîte. Sans eux, nous ne sommes rien. Là, nous avons une belle salle de réunion. Voilà. Là, c'est le studio de Sarah. C'est là où elle tourne son émission Chopsa. Ici, c'est le nouveau décor du JDR que vous avez pu découvrir. Et là, on a un troisième studio pour tourner toutes nos capsules courtes avec des fonds de couleurs différents, comme vous pouvez le voir. Plus loin, nous avons notre joli salon qui n'est pas encore aménagé. Pas de canapé, rien encore, mais ça va le faire. C'était l'œil de la rédac, épisode 25. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Non, là, je limite le sucre. Oh, là, yaourt soja, c'est grave bon. Je pense que je vais devenir bio ou vegan dans pas très longtemps.